Ça a juste mis 35 ans, à peu près. Environ 35. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être 35 000 ans. Ah, elle m'agace cette option des fois sur, sur PS4. Ah, il manque un truc. À boire, voilà. Qu'est-ce qui me manque? À boire. Le son normalement est pas trop fort du jeu. Voilà. Espérons que la petite sorcière puisse passer. Je sais qu'elle serait déçue de pas avoir du Spyro, mais bon. Pas jouer très très longtemps de toute façon. Ah oui, oui, continuer. Hop. Ah, le 120% a été fait sur celui-là. Elle est parti pour celui-là. Papala. Dans un monde de dragons. Ah, Cocos Papers. Je crois vraiment pas streamer hyper longtemps de toute façon. Je vais faire quelques mondes et puis ça sera bien. Ah, fallait que j'appuie sur quelque chose? Ah non, non, ça se fait tout seul. Cette pluie va-t-elle s'arrêter un jour? J'en oublie à quoi ressemble le soleil. On devrait partir en vacances, dans un endroit chaud et ensoleillé. Les rivages dragons, oui! J'y suis pas retourné depuis qu'on a botté les fesses de Gnork. Ça te dit, Sparks? T'as envie de bronzer sur la plage? Et hop! La voix de Frodon. J'ai pas eu la voix de Spyro. Ça marche, professeur? Presque. Il faut seulement que je rajuste ces orbes et. C'est peut-être pas une bonne idée après tout. Un dragon, ça pourrait mettre Ripto encore plus en colère. Arrête, chasseur, et tiens-toi tranquille. Oh, il est sympa le design du chasseur. Du professeur. Ils ont des griffes comme ça, des dents comme ça, et ils crachent du feu comme ça! C'est exactement ce qu'il nous faut. Un dragon est notre seul espoir pour vaincre Ripto, tu le sais bien. Ça marche! Ça marche! Voilà notre dragon! Wow! Quel atterrissage! Salut! C'est par où? La plage? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez jamais vu un dragon ou quoi? Tu es un dragon? Ça te pose un problème, le minou? Bien, bien. On dirait qu'on a oublié de m'inviter à la fête. On essaye de me cacher quelque chose. Ils sont sympas les nouveaux designs des persos. Hop, la vraie héroïne du jeu. Petite fée qui nous aide. Pas beaucoup de cinématiques dans celui-là, enfin des cinématiques d'histoire importante. Dans le 3 il y a bien plus de cinématiques. Ah oui, retour à. Bienvenue à Lueur, Spyro. Malheureusement, une bande de lézards a débarqué et a commencé à nous voler tous nos joyaux. Peux-tu les arrêter? Bah. Bof.
Moi, je voulais juste aller en vacances, mec, hein. Je m'en fiche un peu de tes soucis, là. Allez, allez. Il y en avait un autre, non? Ah, il a fui là. Coucou, monsieur la sorcière. Ah merde, vous l'entendez dans mon... C'est pas dans mon casque, c'est dans mon micro, du coup. C'est que le son est un petit peu trop fort, j'imagine. Ah. Bizarre, parce que je l'ai pas mis très fort, pourtant. Sur Smash, il est généralement plus fort et vous l'entendez pas. Essayer de pas tout casser. Ça va là-bas, oui, je suis en train de toucher à tout, donc bon. Hop! En espérant que ça aille bien. Ah, la cinématique, bah oui, en plus je cause pas pendant la cinématique, donc je pense que ça doit capter encore plus les autres sons. Ce qui fait sens aussi. Ils te foutent des jaunes directs dans le 2. Dans le 1, faut attendre tellement longtemps d'avoir tes jaunes là. Et les petits roses. Enfin. Bonjour toi. Oui. Il essaie même pas de m'attaquer, hein. Il veut juste se foutre de ma gueule, hein. À partir de... Ah! Là, il sent que je le vois un petit peu. Je le vois plus. Je le vois pas. Ah! Bon, pardon. Il tente de mourir. Non, je n'ai pas vu de vidéo de Didi Chandidouille, je sais même pas c'est qui, alors... Je ne sais pas qui c'est... Allez, récupérons toute cette chose qui traîne un peu partout. De toute façon, je crois que le premier niveau, il fait partie de ces niveaux où tu peux pas tout faire. Malheureusement. Bon, shame on me si tu veux, hein. Moi, ça ne me gêne pas de pas connaître des gens. Oh, les théories, c'est pas trop mon truc, hein. On va pas se mentir. C'est pas trop mon truc et ça a jamais été. Attends, je vais voler quelque part d'ici? Non. Non, je... Non. Ok. Cet éclair indique que quand il y aura des ennuis, je te ramènerai à cet endroit. À bientôt. Ah, tu disparais pas dans celui-là. Il court jusqu'à où? Jusqu'à où tu cours, mec? Ouais, tu vois, je peux pas y aller là. Typiquement parce que je peux pas grimper aux échelles, je sais pas faire. Oui, j'en reviendrai quand j'aurai appris, oui. Ah, pardon. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs là-bas, attends. Ah, l'autre racketteur là qui va me voler tout mon fric encore, comme d'hab, hein. On les aime bien, eux. Les racketteurs. Bonjour. Mon ami Twitchy, d'accord. Non, j'ai rien oublié donc. De toute façon, je reviendrai ici, donc on s'en fiche en vrai. Mais... Ah pardon, je t'avais pas vu, je voulais juste des joyaux. Oh. Quelle violence. Oui, bien sûr. Mais je dis pas qu'il fait des mauvaises vidéos, je dis juste que moi, les théories... Hein, c'est pas mon truc, donc ça m'étonne pas que je connaisse pas le monsieur. Ah oui, donc ça sert à ça maintenant.
dois être le dragon dont tout le monde parle. Pas, tu devras payer une petite somme d'argent pour traverser le... Il est chouette son nouveau design à lui aussi. Ce sera sans gemme. Ouais, vas-y, ouvre-moi ton pont. Merci, monsieur le dragon. Spiro, c'est ça? Tu peux désormais traverser le pont à tout moment et gratuitement. J'espère que nous nous reverrons quand tu auras encore plus de gemmes. Oui. Et comment tu vas sinon, monsieur la sorcière? J'ai pas vu d'autres messages de ta part, je crois, donc... Oui. Je vais pas regarder les environs, je vais tuer tout le monde. Il m'a tapé tout à l'heure, je le voyais même pas. C'était pas très gentil, je trouve. Pardon. Bref. J'ai jamais aimé cette vue, j'ai jamais utilisé dans les jeux Spyro, donc bon. Ah d'accord. Tu vois, ce que je te dis, c'est typiquement le genre de théorie, ça m'intéresse pas du tout. Ça existe, ça intéresse, tant mieux, hein, et c'est peut-être plausible, hein, mais j'en ai un peu rien à cirer de ce genre de théorie. Ah, tu devrais déjà être couché, mais va dormir! Va donc dormir! Je vais pas streamer longtemps, donc t'en fais pas. Et puis au pire, tu pourras rattraper sur la chaîne, comme tu sais. Donc... Ah, c'est pour voler ça? Ah oui. You, attends, j'ai pas envie de voler. T'es bien mignon, mais j'ai des gens à tuer. Meurs. Toi aussi. Sauter. Qu'est-ce que c'est sauter? Je suis allé là-bas? Attends, il y avait un truc ici. Ah oui. Ces petits lézards ont dévoré. Oui, je vais leur demander, je vais leur renvoyer des cailloux. Bien joué. Ah, bah j'ai pas réussi à faire triangle. Par contre, je viens de... bien que tu fasses un rappel de l'histoire de Spyro. L'histoire du 1, tu veux dire? Ah, si. L'histoire du 1, c'est le vilain Yacine York. Et ben, il y a les dragons qui se foutent un peu de sa gueule parce que c'est qu'un troll. Un troll littéralement, hein, pas un troll, genre un troll internet, tu vois. Parce que bon, ça ferait pas beaucoup de sens dans un jeu Spyro. Mais bref. Et pour se venger, il décide de cristalliser tous les dragons. Donc, le but c'est de sauver les dragons qui sont cristallisés, parce que toi tu es trop petit, il a pas réussi à t'avoir. Et de défoncer Yacine York. Ce que tu fais, tout en récupérant les gemmes qu'il a volées dans tout le monde. Et donc moi j'ai le 120% parce que j'ai récupéré absolument toutes les gemmes, y compris le trésor de Yacine York. Ah, pardon, j'étais pas prêt. Wing. Et le dernier. Ouais, 120%, tout à fait. En fait, les 100% c'est faire tout le jeu, les 120%, les 20 derniers pourcents c'est le trésor de Yacine York. Le niveau final que tu débloques quand t'as les 100%. Allez, une petite boule verte là. On va connexionner pas mal dans le jeu. Et comme ça, genre vraiment pas mal du tout. Bon, maintenant on va chercher ce qui est là-haut. Mais l'histoire des Spyro, ça a jamais été le genre de truc important à retenir, quoi. Ah! Oui. Envoie-moi ta boule, toi. Non, pas titre. Où qui va, lui? Je peux pas y aller là-bas, je pense. Ah, peut-être si. Non, il est où ton... Ah, il est là.
Oui, je suis au courant, tu sais, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Ouais, montre-moi tes fesses. Oui, nous le suivant. Oh, il va me faire faire tout le niveau. Oh non, mais je veux pas revenir par là, moi. Attends, j'ai des trucs à récupérer ici, je reviendrai plus tard. Hein. Ah. Si faire ça. Hein. Enfin, s'y refaire plutôt. Et je crois que je peux pas avoir plus que ça dans ce niveau pour le moment. Enfin, si, avec ce qu'il y a là, mais. Bref. Là-bas, typiquement, je peux pas y aller sans l'échelle. Il est où? Ah, c'est toi là? C'est toi qui veux que. Bon, donne-moi ce que tu. Elle est où la bestiole? Elle est sur le pont? J'entends en plus qu'il se moque de moi. Où es-tu, bestiole? Bestiole? Bon, montre-la moi. Non mais il est où le méchant que tu veux que je tue là? Il est là-haut? Il a pas l'air d'être là-haut. Ah, il est là-haut. Mais non, mais chut! Ah, c'est bon, je l'ai eu. Il est où le suivant? Vraiment très très joli ce jeu. Hein. J'hésite à le reprendre sur PC pour le faire tourner en plus joli encore. Ah bah si, il me reste là, tiens, hop. Nickel, merci de passer là. Et donne-moi ça. Et où ta bestiole? Ah bah là. Ah oui, non mais il bouge lui. Hop. Tu fais des bulles. Des bulles? Genre bulle belle et rebelle? Oui mais il est où ton monsieur là? Pourquoi t'es monté ici? Il est où ton mec? Ah il est là-haut. Non mais chut, je veux viser. Oh. Allez, donne-moi une autre balle. Allez. Voilà, merci bien. Super! Tu as sauvé mes gemmes des lézards. Tiens, prends cette orbe. Une fille avec des ailes l'a lâchée ici hier. Une fille avec des ailes, très bien. C'est un pouvoir, les bulles. Bon, ça doit être dans le 3 alors, hein, parce que dans le 2, il n'y a pas de bulles. Spiro, merci de nous avoir aidé à combattre les lézards. Accepte ce talisman de lueur en guise de reconnaissance. Oh, merci. Hop, tu. Ah, et un chouette monde en plus. Si on me demande mon avis. Hein, Si aussi, j'aimerais bien y jouer un jour d'ailleurs, MC à sortir, ça a l'air très chouette comme jeu. Un jour, j'y jouerai. Alors quand vous entendez des bruits de plastique, c'est moi qui bouffe un chocobon. Voilà. Bon, mini cinématique.
Hop. Trop chouette le drapeau. Elle a l'air blasée, elle. Hop, oh, encore. On n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Je m'appelle Elora. Salut. Moi, c'est Spiro. C'est toi, une sorte de chèvre? Je suis un faune en douille. Oh, désolé. Tu as vu les tailleurs de Gemma Lueur? Ouais. Ils m'ont même donné un souvenir. Ils appellent ça un talisman. Un talisman. Incroyable. Elora Malagré. Si tu en rassembles un nombre suffisant, ils te serviront. J'ai pas compris. Chasseur, où étais-tu passé? Je me suis perdu. Spiro va nous aider à récupérer les talismans. Ah bon? Vraiment? Écoute, Spiro, il est impossible d'atteindre les rivages dragons pour l'instant. Ripto et ses monstres Elora Malagré. Sont emparés du château de la forêt. Je sais toujours pas de quoi tu parles. Navré, je ne comprends pas. Tu peux les garder dans ton carnet. Hey, je pourrais le faire, moi. Et si le dragon mettait le feu à Ripto? Ah oui, c'est pour ça que je connais pas. Mais c'est tennis. Alors comment veux-tu qu'on te coupe un talisman? Et si tu trouves des orbes, garde-les soigneusement. Mais je t'en parlerai plus tard. Ok, pas de problème. Je ramasse quelques talismans, je grille Ripto. Ah, les animations sont chouettes. Eh oui. Ah. Hop, une vie gratos. Hop, une autre vie gratos. Je me rappelle pas qu'il y en avait autant dans le coin. Lueur, on y reviendra quand on pourra grimper les échelles. Mais c'est même pas le pouvoir de ce monde-là, je crois, grimper les échelles. Hein. C'est le pouvoir du prochain monde. À ce monde-là, si je dis pas de bêtises, le pouvoir, c'est de pouvoir nager sous l'eau. Ce qui est bien pratique aussi, hein. Spiro, voici le monde nommé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes d'Avalar près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rends. Ça fait bizarre de pas faire les doublages. Je suis pas habitué. Rendez-moi des jeux où il n'y a pas de doublage. Là. Je veux parler à la place des personnages, je veux les lire. Je veux faire les doublages à leur place, voyons. Et... Retirez-moi tous ces doubleurs professionnels que vous avez mis dans vos jeux. Alors. Et oui. Moi, c'est mon métier d'avenir, doubleur. Hein. Plus tard, je serai doubleur. Jamais de la vie, je serai doubleur, je pense. Je suis très très mauvais acteur. Mais j'y mets du cœur. Et c'est le principal, vois-tu. Il n'y a plus rien d'autre à récupérer ici. Coucou les grenouilles. Hein. Allez, coucou le naze. Salut Spiro. Ripto a détruit ce pont, alors tu devras planer par-dessus la brèche. Appuie sur sauter, puis appuie. C'est la boîte de doublage, comment ça? Tu es en l'air pour planer. Oui, non mais je sais comment on plane, vieux, hein. Enfin, c'est gentil quand même de ta part, mais bon Bon. Combien de doublages tu veux dire? Que je m'en fiche d'Eric le Grand, en vrai. Je ne suis pas dans le métier ni dans la profession, alors bon. Il peut être pointillé s'il veut, hein, je le rencontrerai sûrement jamais, alors bon. Ah, ils te disent les mecs qui veulent te donner une petite bouboule? C'est marrant ça. Ouais, je suis agile, vas-y, hop. Allez. Ouais. Hop. Ouais, bien joué, allez.
Hop, et on triche parce qu'on sait faire. Y'a que le dernier saut qui est pas facile de toute façon. Très bien. Waouh, tu es un véritable athlète. Si je n'avais pas perdu mes... Oui. Ah oui, comment ça, oui. Donc dans ce saut, j'avais mis 61. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne te suis vraiment pas des fois, Spippers. Ah, d'accord. Je sais même pas c'est qui en vrai, Eric le Grand. Je crois pas, hein. Ouais, moi aussi, c'est pour ça, c'est pour l'aventure que j'y jouerai. Parce que ça a l'air chouette. Je regarde même pas Dragon Ball. Enfin, j'ai essayé, donc je connais sa voix, mais je... ça ne me plaît pas tellement, malheureusement. Oui, je sais qui c'est Spark, je sais ce qu'elle veut. Toi, tu me demandes genre 500, truc dans le genre. Ouais, bon. Soit on fait Colosse. Colosse au pied d'argile, hein, on connaît tous. Je crois que j'ai un autre choix de monde. Ouais, c'est ça. Sainte idole. Ah bah, allons faire les idoles. D'accord. J'imagine que c'est pour ça que je connais pas trop. Je suis pas un grand fan de Justin Timberlake. Timberlake, oui, bien sûr. Quoique, j'ai vu certains films de lui qui étaient pas trop mal en vrai. Enfin, lui, il joue bien. Ah, la petite cinématique de début de niveau, qu'est-ce que c'est chouette ça. Ouais, c'est un peu con, hein. Ah, ils mettent pas, normalement tu voyais une petite icône de cœur qui se brisait. Dans le premier jeu, dans le premier. Oui, je connais vraiment très bien les deux premiers Spyro. Ouais, c'est dommage ça, hein, que le PVP fasse partie forcée. Spyro, les idoles que nous sculptons sont devenues vivantes. Elles nous ont chassés de nos temples et ont volé nos vivres. Ah, c'est le niveau dans lequel il y a de la pêche. Tu dégages. Ah mais il y a de l'eau, je vais pas pouvoir finir le niveau non plus du coup. Oh. On récupère 500 gemmes, on se casse d'ici direct, récupérer le truc pour nager sous l'eau. Hein. C'est bien mignon mais au bout d'un moment, hein, il faut. Hein. Bien que les couleurs quand tu fais ça, ouais, c'est ça. Et hop, l'herbe repousse. Elle est sympa l'herbe dans le jeu. Hein. Non, c'est pas des. Non, c'est... Oui, je sais comment je bats des boucliers en métal, merci beaucoup. Je veux juste 500 gemmes moi, pour le moment. Et non, je ne parle pas de like. Je parle bien de ces jolis cailloux brillants. Oh, il m'a eu. Bon, c'est pas grave. Hop, une petite vie. Oui, c'est clairement, c'était cool sur PS1, ça. Mais il y avait plein de jeux bien sur PS1, il y a aussi plein de jeux nuls, mais ça, c'est comme toutes les consoles qui ont beaucoup de jeux, je pense. Hein. Je suis à combien? Oh. Allez. On y est, c'est bon. Oui.
Allez, on va finir la quête principale. C'est lui de toute façon. Non, c'est pas lui. Non. Mais ça, je pense que c'est pareil sur toutes les consoles. Les 50%, t'es très loin de la vérité, à mon avis. Hein. Sur à peu près toutes les consoles, tu dois avoir facile 75% de jeu, c'est nul. Hein. Ah oui, mais je ne connais pas l'ordre. Allez hop, fais-moi sortir du niveau, toi. Ouais, ouais. Merci bien. Ils se sont calmés, pas tellement. Hein. Bah ouais, mais c'est un peu pareil aujourd'hui. Hein. Bon, ça dépend à quel genre de film. Ah. Allez, on revient dans le niveau juste après. On va juste apprendre à nager sous l'eau. Parce que sur l'eau, il n'y a pas trop de soucis, mais sous, c'est un peu plus compliqué. Allez, allez, vole vite, monsieur. On se dépêche. Bon, il est où, là, l'autre gros sou, là? Oui, parce que gros sou, c'était son nom dans le premier, hein, je crois. Hein. Il s'appelait pas Richard. Hein. Il me semble que c'était vraiment gros sou. Oui. Hop. Et là, logiquement... Tada. Bref, retournons dans le monde, du coup. Enfin, on fera ça plus tard. Retournons à Idol. Et je pense que je vais faire ce niveau-là, peut-être un autre, et je vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Hein. On fera un petit stream juste parce que ça faisait un petit moment que je voulais commencer Spyro 2. Et que là, je suis un peu fatigué, donc... Ah, je peux pas le passer? Même si j'ai déjà vu? Ah si. Non, je l'ai... Si, je peux le passer, d'accord, c'est en appuyant sur rond. Oui, je suis au courant. Enfin, tu vois, du coup, je peux cracher des bulles, hein, c'est... Mais bon, l'utilité est pas folle. Oh, vache, la maniabilité sous l'eau est encore pire que dans les souvenirs, ça passait dans le jeu en vrai. Oh la vache, là c'est compliqué. Oui, on vient là pas juste après, hein, 2 secondes. Oh la caméra dès que t'es face à un mur. Oh. J'avais vu du gameplay à l'époque, mais j'ai pas vu le dernier trailer sorti, non. Je pense que le jeu sera sympa, mais faut pas non plus attendre à un jeu de fou. Mais ça a l'air sympa de ce que j'avais vu. Oui. J'ai été enfermé ici avec tous nos outils et les idoles géantes. La première énigme consiste à rendre tous ces blocs... Oui, allez hop, difficulté 3. Alors... Ouais, difficulté 3. Hein. Coucou Orion. Tu as réussi, Spyro. Je savais que je pouvais compter sur toi. Rejoins-moi à l'étang pour la prochaine épreuve. Ah, le film, non, je l'ai pas vu. Je crois que tu parles du jeu, pardon. J'ai pas vu du tout le trailer du film. Faudra que je le voie parce que je compte regarder le film de toute façon. Eh bah écoute, un peu malade, mais sinon ça va, et toi? T'as vu la grosse difficulté 3 de l'énigme que j'ai eu? J'ai eu la même dans X Awakening il y a quelques jours. Et c'était toujours tout aussi difficile. Hein. Je suis tranquille sur Spyro 2 là. Et toi, comment tu vas? Ouais, ça va bien? Il faudra qu'on planifie pour se revoir. Je pourrais pas vous revoir comme je le faisais avant en venant aussi longtemps. À part si vous êtes en vacances. Sinon, pas possible. Donc, on pourra peut-être voir quand vous êtes en vacances. Sinon, la prochaine fois.
parce que j'ai plus de vendredi, samedi, dimanche comme je pouvais avoir. Là j'ai samedi soir, dimanche en fait. Souvent, mais enfin plus souvent qu'avant, c'est clair. Mais par contre j'ai plus les grands week-ends que je pouvais avoir du tout. Donc moi ça m'arrange parce que j'ai un emploi du temps bien plus stable. Je sais où je vais, mais pour voir les gens c'est plus compliqué. De toute façon je vous l'avais dit, je le savais ça déjà d'avance. Mais... Alors... Ah oui, bonjour. Hop. Je bosse dans quoi? Je bosse dans Paris. Incroyable ville. Ville des lumières. Ville du bruit, de la pollution et de plein de choses. Et des prix chers. Des prix des loyers élevés. Ah ça oui. Ah oui. Arrête de brûler mon ami, il va m'ouvrir la porte. Étrange ces arbres. Ah c'est l'énigme numéro 3, ça c'est pas la 2 ? Apparemment. Paris brisé. Ah oui, il y a un défi ici. On ira après. Est-ce que j'ai tué assez de monstres pour me déverrouiller ça? J'ai pas vu. Bon, déjà, on va aller voir ça de toute façon. Hop. Hop, on a accès à la petite fusée qui va m'ouvrir un petit coffre. Il est où, coffre? Ah! Ah, mais c'est ma deuxième épreuve qui est là-bas aussi, tiens, d'ailleurs. Je peux aller d'ici au coffre? Ah oui. Eh bien, soit j'ai ma deuxième épreuve aussi, l'épreuve de pêche. Pêchons. Ouais. Bleu c'est bon. Jaune c'est bon. Jaune c'est bon. Bleu c'est bon. Bleu c'est bon. Bleu on est bon. Jaune on est bon. Oui, Sparks fait coucou. Il n'y a aucun qui est mauvais là dans ce qui... Ah bon. Ah si, enfin un mauvais, bah donc. Oui, non mais bypass Pyro, t'as des trucs à faire. C'était pas vachement plus chiant ça à l'époque? Genre il y avait beaucoup plus de poissons rouges, là j'en ai eu un seul. Ouais bien soit. Monsieur, ça va pas très bien. Monsieur? Oui? Ouh là là. Monsieur, vous êtes un peu con, je crois. Si tu sautes d'une pierre à l'autre dans le bon... Ouais, hop, alors on va deviner le bon ordre. Alors, étoile en premier. Ah, étoile en deuxième. Pff, lune. Oh.
Oui, chut. Hop. Autre lune. Oh. Ça va être la dernière. Évidemment. Bah, en même temps, c'est les premiers niveaux, Sweepers. Et puis, oui, de toute façon, c'est pas un jeu très compliqué. Hein. Bon, ensuite. J'aimerais bien faire une des lunes. On va dire la verte, j'aime bien le vert. Oh. Là, il y a la lune verte, on y croit. Oui, parce que ma vitesse devient foutue, clairement. Oui, oui, donne-moi ton objet brillant. Oui, Crash c'est plus difficile. Mais Crash c'est pas que la maniabilité, en plus c'est aussi le level design qui est... Surtout dans le premier jeu, je veux dire. Des fois le level design est pas mauvais mais difficile. Vraiment, certains niveaux sont... Il y a des pics de difficulté, tu sais pas d'où ils viennent dans Crash, je trouve. Et je trouve que c'est les niveaux les plus fun par contre. Mais ça c'est autre chose. À part celui du pont, c'est de la vraie merde celui du pont. Enfin c'est de la vraie merde, non. Mais c'est pas fun, je trouve. Je suis pas un grand fan de Crash Bandicoot. Oui, chute. Oui, non, mais j'ai déjà eu chute, fous-moi la paix. Oui, merci. Oui, bah oui, je sais. Alors. Est-ce que ça c'est ok? Ouais, c'est ok, c'est nickel. Alors là, ça va être compliqué. J'avais oublié que c'était... La savonnette. Ah! Dommage. Eh bien, refaisons un tour. Comment ça, je m'engolisse pas à moi? Pourquoi je m'engoliserais sur un jeu comme ça? Regarde, la danse de la pluie, Oula a détruit cette idole comme on souffle une bougie. La carrière de danseuse dont je rêvais me tend enfin les bras. Prends cette orbe. Il t'aidera dans tes voyages. D'accord. Mais merci Stella, la danseuse. Piou. Manque des... Ah, oui. Ah, mais ça... Ça arrive, hein. J'ai acheté une Switch Lite pour Lily quand elle attend dans son bus. Ah, c'est chouette! Ça, pour le coup, ça devrait lui faire... ça va lui changer la vie. Hein. Crois-moi, pour un utilisateur de Switch dans le train, utilisateur fréquent de Switch dans le train, comment je le sens quand j'oublie ma Switch? Non mais arrêtez! Voilà. Oui, ça c'est autre chose. Mais bon, la light après, je sais pas si les gens veulent autant la light que la normale. Mais oui, c'est un peu le souci, hein, toujours. Hein. Ça m'emmène où ça déjà? C'est où que j'ai pas visité du coup dans le coin là? Parce que j'ai pas tout du tout donc. Ah, il m'en manque 20. Et j'ai toutes les pierres? Ah ouais, j'ai toutes les pierres, j'ai.
Ah mince, il me manque 20. Oh, il y a un coin que j'ai pas dû voir. Zut. Ça doit être sous l'eau. Ah, peut-être le coffre, il y a peut-être des résidus. Je trouve ça comme ça, des résidus du coffre qui sont tombés dans l'eau. Premier résidu de coffre, deuxième résidu de coffre, et troisième résidu de coffre. Pipididi. Il est où mon jingle, pipididi, là? J'ai fini le niveau à 100%. Donnez-moi un jingle. Très décevant, monsieur le jeu. On va sortir par la vraie sortie. Que je pourrais faire quitter le niveau comme ça, mais bon, ça a moins de gueule que de prendre le portail. Pff. Mais arrêtez. Oh, je peux rien faire pour vous, hein. Comment je fais pour passer Ah, c'est triangle, peut-être. Peut-être que je suis pas la bonne touche depuis tout à l'heure, je sais pas. Pipididi. Qu'est-ce qu'il est agréable, ce jeu. Qu'est-ce que j'aime bien. Le 1 est plus difficile, hein, pour le coup. Enfin, était. Ils l'ont un peu simplifié, quand même. Mais il est quand même plus difficile que le 2. Pour le 100%, il y a des trucs qui sont tellement bien planqués. Eh ben, bon courage pour ta journée de boulot. Des bisous, merci d'être passé. Est-ce qu'on irait pas regarder ce qu'il y a là-dessous? Les merveilles de ce monde sous-marin. Cette caméra qui est un peu moins merveilleuse par contre, hein. Oh, presque sûr que c'était pas comme ça sur PS1 la caméra, mais presque sûr malheureusement. Ah, mais c'est peut-être parce que mes trucs sont inversés du coup. Non, non, gauche et droite c'est bien dans le... Et au tout début il y en avait aussi des trucs sous l'eau, non? Au tout début du monde. Oui. Ah, il y a plein de trucs là-bas. Ah, et c'est pour me dévoiler un chemin. Coucou Luano. Et joyeux anniversaire. De là à dire que c'est un cadeau d'anniversaire que je te fasse un stream, c'est pas un très joli cadeau alors. Hop. Oui. Là, je sais que... Ah, il faut que je passe par. Oh, j'en veux plus. Ah, il y a une sorte d'énigme ici. Il est où mon deuxième 10? Il est pas tombé là, non? Plage ensoleillée, c'est la... C'est le truc avec les tortues. Je suis pas sûr. Un hurricane, ça je sais ce que c'est un truc qui pleut et qui fait moche. Écoute, moi ça va, hein, je suis malade, mais sinon c'est pas... On a dit qu'on faisait... je suis là-bas. Hop. Par contre, je vais pas te mentir, je compte pas streamer extrêmement longtemps. J'étais même pas sûr de faire un monde en plus, mais bon, vu que c'est ton anniversaire, on voit au moins de faire un monde en plus. J'ai dit je pense faire Colosse, mais j'étais pas sûr, donc là on va le faire par contre. On va faire ce niveau là, et ensuite, je pense qu'on va arrêter par contre.
Bon, on va faire au moins ce petit niveau-là. Ça fait déjà 1 heure. Bah ouais. J'ai dit que je ferais un stream court et ça fait déjà 50 minutes. Ouais, donc c'est ça, tu seras pas là très longtemps de toute façon non plus. J'ai dit que ce serait pas un stream très long, je vais juste faire ce niveau-là. Oh, ça va pas prendre très longtemps de toute façon. Ah, c'est celui-là. Avec les mecs qui faisaient miaou, miaou, miaou. Et qu'ils le font plus. Oh, c'est pas eu tout ça leur bruitage. Ils se sont un petit peu trompés, dis-moi. RIP. Il y a tout à l'heure, MC Sorcière. Yeti semait la terreur dans les environs, mais nous avons réussi à le piéger en fermant toutes les portes. Parle aux autres frères, ils ouvriront les autres portes et te mèneront à lui. Et bonjour. Ah, c'est le monde dans lequel il y a le hockey. Ça c'est pas fun par contre, c'est pas dur mais c'est pas fun. Enfin, je dis que c'est pas dur, ça se trouve je vais perdre, tu sais. En fait c'est pas fun parce que c'est lent. C'est un des trucs les... Il y a quelques trucs dans le jeu qui sont pas forcément des grosses réussites. En me concentrant, je devrais pouvoir t'ouvrir cette... Et ça à l'époque, dans le 2, ils faisaient... Ouyaum, yaum, yaum. Ah ouais, ils ont vraiment changé les bruitages quoi. Un bison sauteur. Ah oui, il ira à la quête avec les statues là. Et c'est bien qu'ils aient changé le bruitage, hein. C'était un petit peu chiant le bruit qu'ils faisaient. Mais les statues là, faudra pas les oublier, elles serviront toutes. Hein. Oui, je suis au courant. Oui, oui, je... Oui. Merci pour les précieux conseils que tu m'offres. Je n'en veux pas. Quand même difficile de mourir dans les premiers niveaux du jeu. Hein. Allez, ouvre-moi la porte, toi. Ah. Oui, oui. Très bien. Oui, 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 oui. Là c'est pas vraiment l'endroit où c'est hyper utile de savoir planer très loin quoi. Enfin... Tu viens la chèvre là? Petite piquette. Ah, une statue ici aussi, oui. Même si je suis végétarien, je pense que tu devrais brûler Yeti. Mais il est très dangereux. En fait, je me demande si tu en es bien. Oui, on vient après, juste une seconde. Ouais, si on va faire ça maintenant. Ça prend pas longtemps, on va passer par là de toute façon. Ah non, c'est de l'autre côté que tu vas par là. Ok. J'ai failli mourir, hein, au passage.
pensais que le Yeti était plus fort que ça. C'était juste un prétentieux. J'ai quand même surveillé le talisman sacré pour m'assurer que le Yeti ne le mange pas. Yay! Merci bien, monsieur. Il y a des trucs par la fenêtre, on l'a vu. On va accéder au mini-jeu. C'est pas bien passionnant, hein. Ouais, tu m'en donnes deux, toi, je sais. Deux fois le mini-jeu, on est prêt. Oh, bienvenue, Spiro. Oui. S'il te plaît. Tu as deux minutes. Attends, mais recule. Voilà. C'est douloureux. Cinq fois. Oh, ça va être long. Non, j'allais dire à choper là. Oh. Le mini-jeu préféré de tous. Ouais. Là, c'est pas la game encore. Hein. Voilà, merci. Allez, hop. Maintenant, on y retourne pour le fun à nouveau. Ouais. Allez, c'est parti. Voilà, on commence par les choses importantes. C'est quel mon camp? C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ah, quoi qu'il a la même couleur, il a le même maillot, donc... C'est où chez moi? Ah bah ça doit être là, il reste là. Bah c'est là chez moi en fait, d'accord. Là c'est... Ah bah oui, c'est rouge. C'est rouge pour les méchants. Il me faut plus de coups de crosse, lui, il est en mode... Il est devenu pacifique, je crois bien. Bon, ah, par contre, il m'en fout. Ok. Il est où, mon... Tu sais... Ah, il est là, c'est toi qui l'as. Attends, deux secondes, hein, tu m'excuseras. Ah bah si, il m'en fout. Voilà. L'élection, quelle élection? Élection de quoi? Je suis au courant de rien du tout. Oh, pas gentil de taper les dragons comme ça. Tiens. Les dragons sont nos amis, on n'y touche pas. Ah bah je sais pas viser, tant pis. S'il te plaît. Meilleur gardien. Faut que je marque combien de points? Ça va à 3, c'est ça l'histoire? Ah bah si je vise comme ça, je risque pas d'aller à 3. Hein. Bah de toute façon je visais chez moi, bah oui, bravo.
C'était toute une strate de diversion pour essayer de marquer chez eux. Mais quelle quiche! J'ai gagné? Non, pas encore. Mais il faut que j'aille combien là? Faut que j'aille à 5 aussi? Oh, vous me fatiguez. Hop! Voilà. Bon, il est bien nul lui, c'est bien. Pardon, je voulais pas faire ça. Ah, si, en fait, c'est parfait. Alors, on voit un trou entre les deux. Ah, il y est plus. Hop! Non! On a essayé. Reste couché, toi. Reste couché, toi. Ah, oh, je peux pas lui souffler dessus, lui, c'est un peu triste. Hein. On va dire, reste couché, toi. Ah, mais c'est fini, les gardiens, là. On joue aussi, hein. Envoie-le-moi. Oh, t'aurais pu me la renvoyer direct, quoi. Ah, il me fait une passe, lui. Bien joué. Ah. Bon, t'as pas de chance, moi, je sais pas jouer. Je vois plus rien. Allô? Je suis bloqué. J'ai bien cru qu'il allait se prendre. Hein. Ah bah c'est bien. Hop. Ah. C'est pas que c'est difficile, hein, c'est juste que c'est chiant. C'est bien quand c'est fini. Voilà. Oui, continuez de jouer, amusez-vous. Ah, moi j'ai bien profité. Ah, mais il y a des spectateurs pour regarder ça. Pardon. Non, j'ai plus rien à faire ici. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais bon. Il est où le mec avec les statues du coup? Il est pas là? Peut-être en haut. Je suis pas allé partout après donc bon. Genre tout ce qu'il y a là, j'ai pas fait par exemple. Je sais plus où il est le mec avec les statues. Le mec avec la quête des statues pour être précis, hein. C'est pas juste un mec avec des statues. D'accord, c'est le tout début ça. Hein. Je sais pas. Ah, mince, bah courage. Au moins ça aurait pu être pire, c'est déjà ça, hein, on va dire. Ça me fait sauter, c'est pas ça? Ça me fait jouer Yung. Ça me fait bien sauter, hein. Mais c'est par là que j'y vais voir le mec des statues. Ah, bah oui. Allez. Ah non? Il y a une autre statue ici, mais c'est pas le mec des statues, mince. Où es-tu, monsieur des statues? Oh! Je ne sais pas. On va bien le trouver, hein. Hop là. Ah, mais tu es là. Ouais, allez, le mauvais esprit, va dans tes statues, là. Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit, mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûr qu'il partira pour toujours. Ouais, oui, oui. Hop. Moi aussi, je suis sûr et certain, il va se casser et il ne reviendra plus jamais. Attends, j'ai un score qui s'affiche en bas, c'est quoi? Ah, 355 sur 400, ok. Oh, de toute façon, j'ai pas tout récupéré.
On va commencer par les statues là-bas, hein. On les a vus, autant y aller, hein. Une statue en descendant par là? Si, tout à fait. Les statues là-bas? Ça me dit rien. Ça me dit rien, mais bon, on va vérifier, hein. Non, juste l'autre qui veut que je joue absolument à son sport nul là. Non, 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 mais cassez-vous. Laissez-moi partir. Pas de statue ici. Bon. Toi, bonjour. Il y a au sol des statues. On va passer par en haut. On aura une meilleure vue de toute façon. Donc, on aura une meilleure vue. Bah, là, il y en a une typiquement. Là, il y a plein de trucs à récupérer aussi. On peut faire un petit détour par là pour aller chercher les... Hop. Voilà. Il manque combien de joyaux maintenant? 6. Ah! Ça va être des trucs un peu cachés du coup là. C'est pas grave, on fait la quête des statues de toute façon donc... Bah, il y en a une en bas là. Hop. Mais. Oh, mais yonk. Il y en a une par là encore ou. Non, je crois que là, l'autre, la dernière, elle est pas là. Je crois pas que la dernière soit dans le coin. Effectivement. Elle est dans la maison la dernière, non, enfin dans la une cabane à l'intérieur. Possible. Bon là-dedans il n'y en a pas. Hein. Là-dedans il y a juste un coup de. Là-dedans. Peut-être. Tout à fait. Oui, oui. Merci. Bon, il me manque 4 rubis. Enfin, 4 joyaux, pardon. Nous ne sommes pas dans Zelda. Ce ne sont pas des rubis ici. 6, pardon, pas 4, 6. C'est ça, hein. Non, mais je veux pas prendre de capture d'écran, je me trompe de bouton. Oh là là. C'est ça, 6. J'ai regardé derrière s'il y a des trucs qui étaient tombés d'ailleurs. Comme la dernière fois. On les connaît les coffres, ils sont fourbes dans le jeu. Un souci, rien qui est tombé. Hein. Donc où est-ce que j'aurais pu laisser passer? Au-dessus probablement. Genre vraiment là-haut sûrement. Sur les toits ou quand sais-je. J'ai pas fait bien les tours. Genre celui-là. Voilà. Hop. Pipidilu. Et voilà. Et retour à la maison.
Pas de soucis. Et ça fait 1h10 que je stream. J'ai mis une vingtaine de minutes à faire ce niveau. Donc je pense que c'est pas mal. Pour commencer, Spyro 2. J'en referai demain, j'espère. Ce serait bien demain. Ça, c'est vraiment un jeu, c'est pas grave. Même si je suis malade, je peux le faire parce que c'est tranquille en vrai. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc voilà. Comment ça m'avait presque manqué. Comment ça m'avait manqué en fait. Et voilà, on a fini deux niveaux en entier. Faut pas dire, hein. Pas héros pour la détente. Ah bah, une vie. Voilà, c'est nickel. Hop. En fait, on va laisser comme ça sur une image un peu jolie quand même, peut-être. Hein, j'ai pas un panorama qui serait un peu sympa. Ah, le panorama quand t'arrives dans la forêt d'été, elle est chouette. Oui, à demain. Normalement. Merci d'être passé à vous, en tout cas. Ah, c'est quand même chouette dès que t'arrives ici. Merci à vous d'être passé. Ah, c'est chouette ici. Et puis, bah, à demain pour ceux qui viennent. Sinon, à bientôt, tout simplement. Des bisous.